pouvoir absolu est à ma portée. Narakamus va bientôt me révéler ce qui ne doit pas être su. Garde! Ya, Obersturmführer! Emmenez von Eberhard! Le temps est venu! Mes hordes doivent connaître le pouvoir impitoyable dont je dispose. La race des seigneurs règnera bientôt sur cette terre. J'ai vu le futur. Les grands anciens sont aux portes du temps. Ils attendent qu'un grand homme leur donne les clés de cette terre. Lorsque la pierre qui protège le Necronomicon sera à moi et que le livre maudit sera devenu mien, je serai ses trônes. Miss Molly, quel dernier message auriez-vous souhaité envoyer à la base Edwards avant de mourir? Vous êtes devenu fou, Dietrich. Je vous plains, barbare. Garde, sortez! Je n'ai plus besoin de vous. L'homme ultime va vous remplacer. Schnell! Kahnama! Standstuhl! Pitoyable créature! Goûtez les quelques secondes qui vous restent à vivre. Schlossagur sera votre tombe. Base Schloss Adler, 17 janvier 2037. Mon nom est Howard Phillips Parker, et ceci est l'histoire de la fin de l'humanité. En 1937, mon père John Parker s'échappa de la base polaire Schloss Adler grâce à l'intervention mystérieuse d'un nommé Ryan. Personne ne crut à son histoire de prisonnier des glaces. Il se maria, et je naquis juste avant que le monde ne sombre dans le chaos.
Mon père décida alors de me léguer toutes ses connaissances. Je devins un spécialiste du mythe de Cthulhu et j'héritai d'une pierre magique qui permettait de faire apparaître le Necronomicon. En 1989, après le chaos total, je pris la tête d'un groupe de survivants et pénétrai dans les restes de Schloss Adler, espérant y trouver le secret des prisonniers des glaces. J'inventai une arme capable de venir à bout des monstres, le Frozen Destroy. Mais les créatures étaient trop nombreuses. Alors je fabriquai des doubles du disque solaire trouvé par mon père et envoyai dans le passé mon fils, Yann, en compagnie du lieutenant Shefton. Autour du cou de mon fils, j'avais placé une médaille en acier portant son nom. Parker, Yann. Un prisonnier des glaces attaqua Yann et Shefton au moment du transfert. Mais il ne réussit qu'à emporter un morceau de la médaille de Yann. Si quelqu'un visionne ce message, alors mon fils Yann est arrivé sain et sauf à Londres, avec Shefton. Et l'humanité peut encore être sauvée. Yann! Solaire permet de naviguer dans le temps et dans l'espace. En la franchissant, vous allez vous retrouver téléporté sain et sauf dans une base britannique. Faites-moi confiance. Ryan, venez avec nous. Dietrich et Naraganos sont partis à Exmouth pour célébrer le culte qui fera revenir les grands anciens sur Terre. Vous devez les retrouver. Non, Ryan, venez avec nous. Je ne peux pas. Votre père a raison. Prenez garde au paradoxe temporel, jeune homme. Diane m'a raconté ce qui s'est passé dans le bureau du conservateur de la bibliothèque. Donnez-moi le disque solaire, Schlell! Hélas, cher monsieur. Il nous a été dérobé hier. Verdammt! Pas de salade! Le disque! Seigneur, ce bourreau est interdit au public. Où est le disque solaire? Je ne plaisante pas, Air Docteur, comme vous voyez. Je ne vois rien, cher monsieur.
Je suis aveugle. Il existe d'étranges éons où même